Bonjour tout le monde, ici Pika Puff, c'est pour un autre épisode de Avatar Frontiers of Pandora. On n'a pas joué pendant ma semaine de vacances, mais pas du tout. On s'est juste concentré Monster Hunter. Et Monster Hunter, ce que je vais faire, c'est qu'aux deux jours, je vais streamer du Monster Hunter. Mais comme aujourd'hui, ça va être Avatar et un peu de Witcher 3. Et demain, ça va être. Je vais faire quelques vidéos de Pokémon épée. Suivi de Monster Hunter. Monster Hunter va rester pas mal. Va prendre la place de Smite, que Smite prenait dans le temps. Et ça va faire du bien, parce que Monster Hunter c'est pas mal mieux, je trouve, comme Smite. Smite c'est un bon jeu, mais j'avais plus la patience. J'avais plus la patience. Puis Overwatch, ça va être la fin de semaine, là, je vois ça. En plus grand détail. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Fallait que je... Oui, j'avais appris à chasser. Right. Tout à fait, tout à fait. Et puis... C'est pas des graines, ça? C'est-tu des graines, ça? Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Ça se pourrait fort bien que ce soit des graines. Des genres de flash bleu, là. C'est... Je pourrais aller voir. En plus grand détail. J'ai aucune idée. Je me rappelle que tout ce qui brille, c'est quelque chose. Tout ce qui brille, c'est un objet important. Uh-oh. Que ferons-nous quand ceux qui viennent du ciel seront partis? Nous vivrons nos vies, j'imagine. Est-ce que j'aimerais ça vivre comme un avis? Je pense que oui. C'est une belle planète. Tout le monde a l'air 5. Je sais pas. Moi, vivre dans un arbre, connecté avec les animaux. Si j'aurais la chance, oui. Oui. Plus de jeux vidéo, oui. Je pourrais vivre de même. C'est sûr que ça me manquerait un peu, mais... Regardez la beauté de tout ça. Ooh. What is happening here? C'est-tu là? Suis-je proche? Mais ça rebondit. Oh oui. Ça donne des points de compétence, donc c'est assez intéressant de les avoir. Là. Je dis pas non aux points de compétence. J'ai un point que je peux mettre quelque part. Mais pas tout de suite, parce que ça m'en prend deux. Votre santé de base augmente de 120. Résistance de feu, poison, électricité augmente de 30%. Capacité de la sacoche médicament augmente de 1. Manger des ingrédients crus génère 2 fois plus d'énergie. Moi, je pense que je vais mettre le pourcentage de résistance pour prochaine fois. Je vais pas trop m'éloigner de mon objectif. T'sais, je vais rester proche de mon objectif. Mais tu sais, je vais checker autour. Tout simplement. Ça, c'est méchant, ça. Oh. Fongeux brumeux flore. Ça a l'air d'être tout à fait inoffensif. Je sais pas, je me disais que ça allait être dangereux. Ah, oh, je pourrais manger quelque chose par exemple. J'ai une brochette de viande maigre. Mangez ça.
si je veux manger. Ah. Je suis comme, dis quoi, piton? Ben oui, ça te le dit carré. Oh, oui. Oh, what the fuck. Hello. Hey, vous êtes... J'ai pas envie de me battre contre des animaux. Pas pour l'instant. Je n'ai point faim, je n'ai pas besoin de viande, je ne tuerai pas pour le plaisir. J'ai écouté le premier film récemment pour me mettre dedans. J'ai pas encore écouté le deuxième. La fleur, elle doit être en haut. Elle a une montagne, ça. Elle doit être dans ça quelque part. Où c'est ça, ça? C'est soit des les lumières bleues, c'est soit une tige cloche ou une pousse. OK, c'est bien. Ah, je vois qu'il y en a un autre là. Puis il y en a un autre là. Je peux-tu me téléporter jusque là? Non. Hein? OK, attends. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Je vais me téléporter là. Je suis en combat. OK, qu'est-ce qui veut me tuer? Qu'est-ce qui veut me tuer? Je l'ignore. Fudge. Je vais aller là. On va chercher le point mauve. On va chercher l'autre point mauve qui est comme dans un genre de cul-de-sac. Parce que si je ne vais pas le chercher l'autre, j'y retournerai probablement jamais là. Il y en a beaucoup qui va se dire, ben ouais, mais pourquoi t'attends pas d'avoir ton oiseau? Vous ne connaissez pas. Moi, je suis quelqu'un qui explore plus que d'autres choses. J'ai un buff, mais je sais pas ce que ça donne. Ça te comprend. Oui! Je me fais penser à un walking simulator dans une forêt. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi, un combat entre deux espèces carnivores? Je vais les laisser. Je vais les laisser se battre. Je n'interfère pas. C'est la nature. D'être ici, à quelque part. Mais où? Elle l'ignore. Je vais monter là. C'est ici, peut-être? D'avoir une façon de monter, certain. Okay. Je suis revenu où est-ce que j'étais? C'est stupide, mon affaire. Comme ça. Tu pognes le bord. Exactement. C'est quelque part ici. C'est une petite jeu cloche. Probablement en haut de l'arbre. Pas en haut de l'arbre, mais en haut de cette affaire-là. Il doit y avoir un fil, quelque chose. À moins que... Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il vole, là? Ah,
Comment tu veux que je monte là? C'est comme une montagne. Mais il n'a pas l'air en haut de la montagne, il a l'air comme en bas. C'est peut-être moi qui est stupide. Ça pourrait arriver. Je suis souvent stupide, fait que... Ça me dit que je peux rentrer là. Peut-être qu'il faut pas que je monte, mais il faut que je descende. Ça de même. C'est de la maudite plante électrique que j'ai pas vue. Non, non, faut que je monte, mais je sais pas comment. Faudrait que je sois pas... Ils veulent pas que je monte là. C'est clair et net, ils veulent pas que je monte là. Il y a peut-être une caverne ou quelque chose? Je sais pas comment je fais ça, mais je suis comme Spider-Man. Peut-être les pattes des Navy, je sais pas. What? Ok, des branches de noctarde. Ça me dit d'aller là pourtant. Il y a une caverne ou quelque chose que je vois pas. On va faire le tour ici. Il y a un arbre qui illumine là, quelque part. J'ai déjà récolté? Non, ça me le dirait. Il y a une tige cloche, mais je sais pas où. C'est ça qui me gosse. Ça me gosse vachement. C'est pas en haut, là. Non, non, c'est pas si haut que ça, là. C'est pas si haut que ça, là. Nah. J'en doute fort. Non, j'ai l'impression que je trouve une caverne où... Il doit être une flamme dans la montagne, mais je le vois pas parce que je suis calme, je sais pas. C'est très haut, là. Je vais monter ça, mais là, il faut que je redescende. I'm in danger. Je sais pas comment j'ai fait de monter ça, là, honnêtement. Il doit y avoir une crevasse, d'après moi. C'est clair. Right.
Non. C'est quoi ça? Attends, j'attends la musique. Je suis pas mal sûr. Non? Ah ah! Ah ah! Elle doit être cette quelque part, l'arme. Ça, c'est méchant, ça? Je touche pas à ça, right? Oh, ben. Miam. Si je récolte ça, je t'en marre. Fais pas attention. Santé accrue, définitivement. Ok, je le prends. Wow! Tout ça pour ça. L'autre spot est ici. Qu'est-ce que c'est? On va aller voir. Une bonne marche à faire. Il faut traverser tout ça. Let's go. On va continuer l'histoire. Wow. Wow, wow, wow. Je sais pas, je suis capable de sauter, mais là, à la limite. Chose de gros en bas. Oh, un Storm Beast. Rien de bien, wow. Qu'est-ce qu'il y a là? Excuse-moi. Si j'ai été ça. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est pas ici qu'il y avait. Oh oui, oui, c'est une side quest, c'est ça. C'est quoi je pense? Il fait un bruit de boss raptor. C'est une raison à ça. Une mousse mauve cette fois-ci. Une mousse vertrie.
Nice. Ça fait le même son vraiment quand t'es sous l'eau. J'aime que le courant m'emmène aussi. Ça, c'est quand même cas. C'est réaliste. Électrique là, c'est dégueulasse. On approche. Pas que je pogne des fruits dans les arbres, quelque chose de même. C'est peut-être ça. T'as pas vraiment de point de repère. Oh, un arbre. Oh, un arbre. Oh, un arbre. Non. Bien gros, eux autres. Pas de Kulu. Je dois regarder de plus près. Me concentrer. Tout ce qui est enragé, c'est comme pas naturel, de toute façon. Quand j'ai pu comprendre, c'est comme quelque chose qui a été modifié par l'homme. On approche. C'est quoi ça? Ils disent que c'est des armes. Proche de ça. Après, ça pose un arbre le fruit que je veux, mais. Je monte une nostique de montagne. Pour ce faire, je dois peut-être aller par là-bas. Je sais pas encore. Je trouve un moyen de monter. Marche à pic. Oh non, tu veux pas aller sur ça. Une façon de monter. Toujours une façon de monter.
Oh non. Je suis en danger légèrement. Peut-être par là est la sortie. Ok, on s'approche. Je pense pas, je peux rien faire avec eux autres. Cet animal n'a pas de couloir. Je dois concentrer mes sens. De Kuru. Regardons de plus près. C'est un endroit pollué, ça, c'est quoi? C'est le soleil qui s'en va? Ah ah, tout ça pour ça. J'ai plus de santé, c'est fantastique. Voyage rapide, let's go. Continue l'histoire. Je me rappelle plus c'était quoi le but. Fallait aller là pour... Et toi, ne voulais pas venir aussi? Katnat l'aurait su. C'est trop risqué. Parce que mes quêtes, j'ai le chasseur disparu. Ça, c'est trop. C'est à nous de le trouver. Et quand ce sera fait, nous étriperons ces sauts-toultés, avec Itou de nouveau à nos côtés. S'il te plaît, ne prends pas de risques. Trouve-le et ramène-le. Suis la rivière, je sais pourquoi tu viens. Je veux t'aider. Ou me surveiller. Et Toua t'envoie. Elle veut s'assurer que je ne vais pas dire à Katnat qu'elle désobéit. Et toi, s'inquiète seulement pour Itou. Une vraie Sarentu. Toujours diplomate. Je l'espère. Un jour, peut-être. Peut-être aurons-nous besoin de ta diplomatie. Nous ne sommes pas des guerriers. Et j'ai peur que nous soyons allés trop loin. Que s'est-il passé? Ceux qui viennent du ciel se rapprochent. Alors nous les repoussons. Mais seulement nous trois. Pour que Katnat ne s'aperçoive de rien. D'habitude, tout se passe bien. Très bien, même. Nous rentrons à la maison, nous célébrons. Mais cette fois, Itou n'est pas revenu. Il a besoin de moi. Je dois y aller.
Laisse-moi t'accompagner. Je vais refaire notre parcours. C'est trop loin sans Ikran. Je peux le chercher. Zomé et lui sont peut-être plus proches que tu ne le penses. Peut-être. Il a un refuge près des colonnes de pierre, plus bas. Cherche une grotte au pied de la falaise. Prépare ton équipement avant de partir. Ceux qui viennent du ciel se déplacent en meute et utilisent les grosses feuilles pour amortir ta chute. Quoi ? Oh, ok. Tes vêtements sont bizarres. Merci. Très gentil de ta part. Ok. Bah où faut que j'aille? Ces grandes feuilles semblent un peu fragiles. Une seule façon de le savoir. Quelle grande feuille? Ça? Où est mon adjectif? En bas là, ok. Tu veux que je saute sur ces feuilles-là? Ça devrait t'intéresser. What? Qui parle? Poignée de chasseur. Viens avec moi. Ça devrait t'intéresser. Ka'nat sait que la guerre est une folie. Nous avons une autre visiteuse parmi les Aranahe. Kukulope vient parfois commercer avec nous, mais personne ne sait. C'était quelque chose de bon, on dit. J'ai quelque chose pour ça, je pense. Dégâts de la faune et flore 6% ou dégâts furtifs 5%. Ah, j'aime bien être furtif. Elle est aussi audacieuse que toi. Tu devrais la rencontrer. Comme dans le film, c'est bien nice. On marche dans la forêt. Trouver quelqu'un disparu. Vraiment cool. Une caverne. Oh, il y a des robots. Pas des robots, mais des mechas. Grotte du Racépiaur. On a tous commencé comme ça, non? Un jour, je vais te poignarder juste pour que tu te taises. C'était quoi? C'est bien. Arrête d'être aussi tendu, crétin. C'est pas mal, ça. C'est la troisième attaque de Nagi. Un soldat. Deux soldats. Trois soldats. Ils auraient dû mieux nous former dans cet endroit. Un jour, je vais te poignarder juste pour que tu te... M'as-tu vu? C'est minable, ça.
Comme, je comprends pas pourquoi. En tout cas, je comprends pas comment une flèche peut péter un méca de même. Je ne comprends guère. Ok. Dans la zone de quête. La cachette d'étude se trouve en bas de la colline, au nord du camp du grand métier à tisser. De la colline. Il y a une petite caverne quelque part, peut-être ici. Je suis dans la bonne place, non? Ici. On dirait que c'est ici. À marginaliser. Poignée de précision Arclo mode. Okay. Oh, on va faire une enquête. Yeah. Yeah. Un repas. À peine entamé. On dirait qu'un Navi a gagné ce combat. Un Navi. Un arc Aranahe, brisé par un usage intensif. C'est tout récent. La bride d'un Ikran. Le cuir a cédé. Mais comment? Le bandeau d'Iitu. Où est-il passé? Quelque chose voulait à tout prix sortir d'ici, pour s'enfuir ou suivre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Navi a combattu la RDA. Il s'en sortait bien, jusqu'à ce que son arc se brise. Il a dû s'enfuir. Je me demande si... Je ne pense pas que ce soit ça. Iitu est venu ici. Quelqu'un ou quelque chose l'a interrompu avant son repas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Ikran s'est battu ici. Sa bride a lâché dans la lutte. Il est sorti en grimpant. Iitu a atterri avec son Ikran, Zome. Ils ont combattu la RDA. Ils ont été piégés dans cette caverne, mais sont parvenus à s'enfuir. C'est du sang d'Iklan. Je peux suivre sa trace. La RDA. Je dois me dépêcher. J'arrive. Je veux vous sauver. J'ai perdu sa trace. C'était elle. Par là. Oh, shit.
J'arrive. Ils vont la tuer si je fais rien. Oh, ils se prennent bien mal, les autres. Encore deux dudes. Un qui arrive là. Avec les humains, avec leur propre arme. Tu vas mettre détruire un hélicoptère. Moi, j'ai juste tué le doux. T'as une chose à son temps. C'est totalement fait que j'ai pogné deux fois. Ah, fusil. Ok, ouais. Lourd. Dégâts au point faible 6%. Ouais. Dégâts l'RDA 6%. Chasseuse. Arendo, comment m'as-tu retrouvé? Et toi, m'a envoyé t'aider. Au moins, tu as mis en pratique mes conseils. Fais-moi sortir d'ici. La porte est coincée. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Il n'y a pas de courant. Je vais essayer de le rétablir. Doucement. Je
Dépêche-toi. Ça ne marche toujours pas. Est-ce que j'ai... Ah. Moi, il faut que je remonte en haut. Ah, oh, bah ouais, avec mon gun. Parfait. Je devrais pouvoir entrer maintenant. Plutôt le faire sortir, tu vas pas rentrer là. Je crois que c'est bon. Cet oiseau nous a pris au piège. Je suis désolée. J'essayais de te faire sortir. Mon écran, Zomel est-elle? Elle va bien. Elle m'a aidé à repousser la RDA. Les Sotoutés nous ont séparés et m'ont piégé ici. Je les entendais l'attaquer et rire de ses souffrances. Ils tuent pour le plaisir. Nous devons sortir d'ici avant que les renforts arrivent. Oh, oh! Il faut que je la rejoigne. Je sais. Pas qu'on va sortir de là. J'ai essayé d'ouvrir ces mâchoires métalliques au sol, mais je n'y arrive pas. Attends, moi je voyais un peu. Les flammes, recule! C'est pas vrai! Il faut que j'arrive à ouvrir ces portes! C'est très plaisant. Ça y est! Ça devrait marcher! Il est temps de sortir d'ici. J'ai pas trop compris. Y avait-tu un trou qui s'est formé dans le vaisseau? You. Il est là. Est-ce que ça va? Nous avons échappé d'un rien à l'oiseau de métal, Sarento. Il faut frôler la mort pour ressentir la vie. C'est pas passé loin. Je te remercie, Elanai. C'est Zomé qui nous a sauvés. Elle doit être une légende parmi les Ikran. Ensemble, rien ne nous effraie. J'ai vu ce monstre de métal lui tirer dessus pendant qu'elle le déchiquetait. Je vais aller raconter à Etoua ce qu'elle a manqué. Itou, tu es blessé. Laisse-moi t'aider. Ce n'est rien. Je vais appeler Zomei et repartir. Je n'aurais jamais dû la laisser. Elle est seule et blessée. Elle ne peut pas être bien loin. Zomé est forte et courageuse. On va la trouver, ensemble. Il le faut. Tu n'as pas encore de lien, Sarento. Tu ne peux pas comprendre. Parle-moi. Ce lien est unique. Tu voles et penses à l'unisson. J'espère connaître un jour le même lien qui t'unit à Zomé. Je te le souhaite très sincèrement. Je crois que je l'ai entendu. Par ici. Comment est-ce que tu l'as choisi? C'est elle qui m'a choisi. C'est comme ça. Elle m'a fait confiance. Je ne peux pas la perdre maintenant. Itou, on devrait s'arrêter. Non, Zomé a besoin de moi. Repousse-toi. Continue de la chercher. Retrouve sa piste. Je te rejoins.
ça. Ça ressonne pas bien, là. Zomé! Ces sauvages t'ont fait, ma belle. Je suis là maintenant. Laisse-moi partager ta douleur, Zomé. Laisse-moi t'aider. Nous devons rentrer, Zomé. Tu dois te battre afin que nous rentrions ensemble. Allez, bats-toi. Tu dois tenir. Ne me laisse pas. Reste. Pardonne-moi. Mais on peut la sauver, n'est-ce pas? Retourne auprès d'Ewa. Nous volerons à nouveau de l'autre côté. Ma sœur. Je suis arrivée trop tard, Itou. Je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Va dire à Etoua et Vefilou que je vais bien, grâce à toi. Le dernier vol de Zomei doit être honoré. Peut-être le ferons-nous ensemble à mon retour à l'arbre maison. Je vais te laisser seule. Wow. Arclon Froid, Arc Noble. Deux points. J'ai 3 points. Je vais prendre ces 7. Résistance au feu, poison et électricité augmente de 30%. Quatrième emplacement dans la roue des armes.
pour ça, je peux juste... Oh. Pour dire à Etua que Luta est sain et sauf. Retourner à l'arbre monde pour parler à Etua. Et c'était mouvement, plein de mouvement. C'était mouvant. C'était triste. Cette partie-là était triste. Ouais. Je peux te changer de coupe de cheveux? C'est la première fois que je te vois. Pas de la bouffe. Kifran m'a dit que Karnat était un enfant malicieux. Quoi? J'ai du mal à l'imaginer. Il est si sérieux. C'est ce que j'ai dit. Mais il m'a assuré que sa mère le grondait tout le temps parce qu'il faisait des farces aux aînés. Te donner ça aux autres. C'est des cadeaux. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de fruits et d'autres affaires, mais... Prends bien soin de ton arc. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Allez, va. Un peu de fromage de Zaklo ferait des merveilles. Je pense que c'est pas ce personnage, peut-être. Non. Aucune idée. J'étais sûr qu'on pouvait changer mes cheveux ou quelque chose. Sarentu racontait beaucoup d'histoires. C'est peut-être un tatoueur. Sur la volière des Iklan. D'après les Sarentu.
proche des Si seulement je pouvais voler sur un Iclan, je ne reviendrais jamais. Je peux faire quelque chose ? J'ai pas de bandeau, je peux acheter ça. Neuf, reviens me voir. Ouais, je suis rendu niveau 6. En stat. Si tu as besoin d'autre chose. Ok. On va arrêter l'épisode ici. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir été tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.